Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième saison de Project Zomboid avec la fine équipe Slan, Katox et Damned. Bonsoir les gars. Salut. Hello. Alors on se retrouve suite au léger problème de téléportation de notre dernière aventure, hein, nos persos ayant décidé de se suicider dans des voitures enflammées et des fusils à pompe vides. On avait un peu merdé, ils sont devenus un peu fous, c'était un peu le bordel, donc on a réajusté un petit peu nos paramètres de téléportation et ça devrait normalement mieux se passer. Oui, là c'est confirmé, on est sûr d'arriver avant les zombies. On devrait pouvoir avoir le temps de préparer un peu le dawa, comme dirait l'autre. Non mais c'est sûr, c'est du fiable, c'est du 100%, on a tout testé, tout est prêt. En tout cas, moi je viens de trouver du sel, je pouvais pas faire meilleur départ. Hein. Ah. Les gens ont l'air bizarres quand même par contre. C'est bizarre parce qu'il y a une personne qui vient d'éclater ma fenêtre. Ah, peut-être qu'il jouait au baseball. Ça doit être ça, c'est des... Ça suffit de nous envoyer du rêve, hein. Moi ça tape en tout cas, à la porte. Bah va ouvrir, hein, qui sait. Non mais j'attends pas de colis. J'attends pas de colis, monsieur, merci. Ça c'est suffit. Pour le voisin. Repassez plus tard. Non mais ta femme est pas là, j'ai dit. Bon. Encore raté finalement. Bravo, moi je dis très très professionnel tout ça. Ah bah... faut que t'arrêtes d'essayer de téléporter les gens à Caminité. Moi j'ai été par hasard téléporté dans le corps d'une jolie blonde. Écoute, moi je suis assez bluffé parce que je constate que j'ai une fourchette et que ça ressemble plus ou moins vraiment à une fourchette dans ma main. Oh là là, j'ai un très bon départ en tout cas, hein, par rapport à la première fois. Moi c'est globalement de la merde quand même. Moi je viens de repérer que la maison du voisin avait des alarmes. Oui, et ben, je peux te dire, tu sais quoi, je vais te rejoindre tout de suite, Katox. C'est très facile pour moi de te rejoindre. Non, fais pas ça. Je te le dis, c'est une mauvaise idée. Mais non, mais c'est facile, il suffit de suivre les zombies là, ils vont tous dans la même direction. Justement. Ouais, mais à deux, on sera plus fort. Ouais, j'ai même pas eu le temps de looter quoi que ce soit. Je crois que j'entends quelqu'un taper à la porte chez moi aussi. Pourtant, il y a une vitre, mais je ne vois personne devant. Non, mais c'est l'été, les livreurs ils font n'importe quoi. Méfie-toi. Ah mais il y a une autre porte derrière l'escalier. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une caisse avec du charbon, très bien. Ouais, youpi. En tout cas moi je l'emmerde, le livreur, je passe par la fenêtre et il continue de taper à la porte. Moi il est pas arrivé. J'imagine le mec qui réagit vraiment comme ça avec des livreurs. Ouais, c'est clair. Non, je le veux. Monsieur, votre colis. Non mais monsieur, je vous vois en train de faire le rêve. Je vous vois par la fenêtre, monsieur. Monsieur, allô, il monsieur, arrive, tu lui mets direct un coup de couteau dans la gorge. Il y avait un zombie à la porte, ok, très bien. Mais votre pizza. Votre pizza. Non, monsieur, j'ai pas le temps. Mais vous les commandez. Jamais vivant. Ok, donc là il y a aussi des zombies qui tapent à la porte. Par contre, il y a une fenêtre ouverte, on va quand même essayer de passer doucement. Moi je suis à la chapelle. Une maison avec une fenêtre ouverte, hein, ça se refuse pas. Ouais, d'ailleurs, on fait comme l'autre fois, on se retrouve, enfin, on suit la nationale, tout ça, là. Bah oui, mais vous hésitez pas à essayer de trouver une voiture avant. Parce que j'en ai trouvé une, mais j'ai pas encore la clé. Hein. D'accord. C'est tellement la dèche de trucs. J'ai un minuteur, couteau de cuisine, c'est bien cool, ça. J'ai l'heure, au fait, hein, au besoin. J'ai trouvé un réveil. On est quel jour, du coup? On est le 9 juillet. Ah ouais, bon bah, peut-être qu'on peut pas se téléporter avant l'infection, alors du coup, ça craint. C'est pas si mal, on va dire. Ils sont beaucoup quand même, là. Bah c'est mieux, t'imagines, on aurait été TP le 3 novembre. Ah bah au choix, je préfère aussi, ouais. Par exemple, quoi, hein, mais vraiment par exemple. Ouais. Au hasard, vraiment un hasard. En même temps, quand on y pense, on a peut-être, si on se débrouille bien... l'opportunité de sauver nos autres avatars quand ils arriveront le 3 novembre. Non, mais ils étaient tellement mauvais que c'est... Non, mais justement, on va falloir les esquiver. On a l'opportunité d'esquiver nos avatars. D'accord, mais je veux quand même dire que quoi qu'on fasse, si on s'installe au Tougiz, il va brûler le 3 novembre. C'est vrai. Avec nous dedans, probablement. Oui, parce que personne n'est rentré et personne ne sait ce qu'il y avait dedans. Non. Ah. Allez, hop, on sort. Mais c'est bon, d'être pessimiste comme ça, c'est insupportable. Pessimiste ou réaliste? J'ai trouvé plein de voitures. Bon bah j'avais des maisons, j'ai des maisons ouvertes, je crois que c'est la première fois que je vois des maisons ouvertes. Mais par contre, il n'y a rien dedans. C'est quand même la tristesse.
Rien dans la maison, il n'y a même pas de meubles, rien, les mecs ils sont partis. Non, il y avait des meubles, mais ils étaient du genre vide quoi. Non, j'ai même pas trouvé une putain de pince à épiler quoi, c'est la tristesse. Ah, j'en ai trouvé une. Non, moi non plus, c'est vrai que j'en ai pas trouvé par contre de ça. J'ai trouvé une alliance, vous allez pouvoir vous remarier. Ouais. Ouh. Bah, vu comme ça a terminé. Ouais, mais non, mais ça c'est parce que on n'avait pas fait nos vœux. Ah, mais y a des zombies partout, c'est ouf ça. Ah, ça y est, j'ai une pince à épiler aussi. Moi je marche plus ou moins dans une direction en espérant tomber sur la nationale. Hein, mais... Ah, une maison à vendre. Je suis pas bien sûr qu'il y aura grand chose dedans. Le Chan, merci, au revoir. Donc, moi je suis sur la. Sur la grande rue, hein. Je suis en train de faire les bâtiments en espérant trouver une voiture. Je viens de passer la station service qui est au milieu de la ville. Et pour l'instant, je monte. Alors, une un déclencheur artisanal. Bien. Derrière l'école élémentaire. Ah là, c'est la fête, cette maison à vendre. Les mecs, c'est des terroristes dedans, quoi. Bon, alors, je passe chercher qui en premier. J'ai une voiture, j'ai de l'essence, j'ai une clé. Oh la merde. Moi, j'ai un couteau à beurre, quoi. Le type il a déjà construit la moitié de la ville, moi j'ai un couteau à beurre quoi. C'est déjà bien. Alors qui a rejoint la grande rue? Pas du tout. Moi je l'ai pas trouvé encore. T'es où Katox? Moi je suis le bâtiment au sud de l'école élémentaire. Ok. Un piquet de tente, mais qu'est-ce que je veux foutre d'un piquet de tente sérieux. Tu sauras le jour où t'auras une tente. Il y a plein de zombies dans la salle de bain. Fuyons. Bah il me semblait que j'étais à l'école là. Je suis juste au-dessus, le bâtiment au nord, il y a un parking. Ah. Alors là, il y a une grosse barrière. Est-ce que je peux faire le tour de cette barrière? Par là, par exemple. Alors, je suis un panneau, mais c'est chiant, il n'y a pas d'indication sur les panneaux. C'est un peu triste, quand même. Mais il y a des zombies partout, ils tapent à toutes les portes, quoi. C'est un scandale. Ah putain, oui, il commence à être nombreux là. Il y a beaucoup de voitures, hein. Ça devrait être pas trop dur de trouver des voitures. Là, je suis au pizza. C'est bien? Non, ça parle à personne, bah, je continue à rouler. Ah, ça me parle, mais techniquement pas là où je suis quoi. Alors j'ai trouvé une route. T'as tout. J'étais au milieu d'un lotissement là, mais. Je suis au Greens. Ça c'est cassé. Ah ça y est, normalement je devrais pas être loin de Katox là maintenant. Putain, il y a des zombies qui rentrent comme d'hab. C'est bon, j'ai trouvé la deuxième alliance, on est bon. T'as trouvé quoi? La deuxième alliance, on est bon. Je l'ai pas prise la première. Oh. Ah bah bravo. Katox, t'es où? Le bâtiment juste plus haut que l'école élémentaire. Sur le bord de la route. Théorie, tu peux pas me rater quoi. Ah, un zombie mort. Est-ce que vous seriez passé par là? Bon bah je continue hein. Ah, parfait ça. Hop. Ah, un sac de randonnée. Il est où le zombie? Je suis au dîner, parce que là j'arrive au sud de la ville hein. Mais l'école élémentaire elle est pas dans le sud. Il me faut un foutu coup. Ah voilà une pelle. On va commencer à parler sérieusement hein, déjà. Merde! Putain, je t'avais pas vu toi. Oh putain, j'ai chaud. Une casserole, une bouteille d'eau, ça peut toujours servir. Du jambon, ok. Ouais, des cigarettes, je vais prendre pour les collègues. Est-ce que je peux manger au moins? Ouais, on peut manger en conduisant, c'est bon. Ah, une pince à épiler, voilà. Canard en plastique, on a dit que ça servait à rien. Ça dépend. Pour te déstresser, peut-être. Voilà. Ça remonte le stress. Bon. J'ai une pelle. Super. Ah, j'ai trouvé une route un petit peu plus grosse. Moi j'ai rien, je suis désolé les gars, j'ai pris un peu de retard. Ah, moi j'ai rien non plus sur moi, j'ai juste la bagnole.
Mais j'ai trouvé pas mal de bagnoles, je pense qu'on va pouvoir trouver des voitures. Moi je vous ai trouvé énormément de bouquins par contre. Ah, la mécanique pour les nuls, c'est ce qu'il me faut moi. Ah ça je l'ai trouvé celui-là. Ah génial. Ah je suis sur un terrain de football. Ah mince, demi-tour. Ah je suis pas loin de toi alors. Demi-tour, faut que je fasse demi-tour au terrain de football, c'est pas bien. Non pas du tout, c'est bien, continuez. On moi de toute façon je circule sur la grande route, si vous m'entendez vous me dites. Bah voilà, coucou. Normalement le signe est pas loin du tout, puisque le terrain de football il est plus au sud. Je vais aller derrière un restaurant là, mais il y a beaucoup de zombies, donc je vais me tirer. Il est juste derrière normalement le... Ah oui, je suis au Adult Education Center. Là. Voilà, c'est un peu plus au-dessus, là tu le vois. Non, il était derrière toi. J'étais derrière un peu moi, trop là baissé les sons de voiture par contre, je vous entends plus. Enfin, j'ai entendu personne passer. Et il est où? Là, il est en train de remonter sur le coin du bâtiment. Parce que vous me voyez? Ouais, ouais, dans l'autre coin. Mais comment vous me voyez? Parce que moi je te vois. Et t'es où? Voilà. Là il est sur, il est dans le parking. Parce qu'en fait quand t'es dans la voiture, t'as la vue, t'as la vue. Oula. Ah, c'est bon, je suis dedans. Allez, il nous manque le dernier. Damned, t'es sur la route, dis-nous que t'es sur la route. Bah pour le moment non, je suis dans un quartier résidentiel qui est rempli de zombies. T'as pas une indication sinon? Des maisons, une maison brûlée. Voilà. On avait dit pas avant le 3 novembre les maisons brûlées. Des chaises de jardin. Des chaises de jardin, si ça c'est utile. Ouais, tu vois. Il y a 3 chaises de jardin. Ils ont brûlé. Je suis en train de remonter, hein, mais. Une voiture brûlée. À côté d'une voiture verte. Ouais, c'est très utile ce que je suis en train de vous dire. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Alors là, je pense que je m'approche de la 4 voies parce que le bâtiment que je vois, Legal Service, Tattoo 42, ce serait près de la 4 voies tout ça. Ouais, ouais, t'es au sud. Ouais, et bah c'est ça. Ça y est, j'arrive à la 4 voies. On est sur la route. Je te propose déjà de te mettre. Oulalalala, on va peut-être pas arriver. On arrive. Il y avait un virage un peu. Non, mais il y avait un virage là. Je vais me mettre à l'arrière. Ouais, en bah si tu te prends ta bagnole, je crois qu'il y a un virage, on va avoir un problème. Pourquoi? Je suis à côté du Pizza World. Ouais, okay, super accent. Voilà. Oh, j'ai vu une bagnole, je vous ai vu. Ouais, je suis là. Ah, l'aide. C'est bon, il y a une place sur la place du mort, tu peux la prendre. C'est bon. Salut les gars. On est tous là, la classe. Salut. On a même pas mort une seule fois quoi. En combien de temps? Moins de 15 minutes? Ah, c'est une grosse prouesse quand même, on voit qu'on a appris. Hein. Non mais on déchire. Oui. Il y a des belles bagnoles quand même là, on peut les regarder si elles sont... T'es sûr que c'est une bonne idée ça? J'en avais une dans le quartier. On était, moi, on était trop bien parti, ça va partir en couille cette histoire. On cherche les clés, notamment sur les zombies. Pas de clés. Attention le signe. Ah, plus de couteau. Ah, j'ai entendu le bruit, mais. Ah, bah c'est ouvert. La bagnole en fait. Y'a pas les clés par contre. Y'a un enfoiré là, mais je sais pas si je vais pouvoir le taper. Bon, y'avait la clé sur le compteur, mais y'a pas d'essence. T'as un jerrycan? Non, j'ai pas le jerrycan. Ah non, moi non plus. Ok. En fait, attention, des fois quand vous montez dans les bagnoles, vous avez pas la clé. Elle est dans la boîte à gants, non? Non, elle est sur le compteur en fait. Ah putain! J'ai jamais pensé à ça! À regarder! Ah, moi je la fais à chaque fois pour le coup. Tu peux la voir, mais tu te contentes d'accélérer un petit coup, c'est bon normalement. T'es parti chercher des jerrycans, j'imagine là? Ouais, mais je vous laisse prendre la bagnole blanche et puis y aller. Moi j'y vais à pied pour essayer de trouver éventuellement une autre bagnole en chemin. On se retrouve à la station. Tu veux conduire, Damned? T'es chaud? Ouais, carrément. J'aime bien conduire. Si tu veux, il y a une place. Attention, il est juste derrière. Ah ouais, je le vois, ouais. Là. Le petit carnage qu'on a fait là. Ah oui, oui. Ça c'est ma... Ah ouais, c'est ma première. Je crois, ou ma deuxième. Ouais, enfin, je compte plus. Oh, bah on se barre, hein, t'es sûr, hein? Oh non,
Bon, en tout cas, nous on monte. Alors là, j'ai. Là, y avait... Hein voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Mais t'es tout seul, Slan. On monte. Oh, ouais, tout seul, hein. Ouais, vous barrez, ouais. Je suis en train d'aller chercher de l'essence à la station, là. Donc, on te laisse tout seul, c'est ce que t'as dit tout à l'heure, hein. Ouais. Ok. Non, parce que je commence à avoir peur, là. Vous ouais, allez où... Soit vous allez au Wiggies, soit vous. Vous allez à la Warehouse, je pense. Ouais, c'est vrai que la petite Warehouse sur. Ça serait une bonne idée. Si on passe par là. Tu me guides, hein, Katox, hein. Bah, Pas encore. Quelques petits lags. Voilà, bon, désolé. Waouh. Il y a du monde là. Il y a du peuple là. Continue. Oh, je comptais pas m'arrêter. Hein. Mais c'est bien. Il faut pas. Non. Ça me semblait pas être une bonne idée. Le problème, c'est que pour l'instant, je peux pas rentrer dans le. C'est ici. Dans la station service. C'est ce gros bâtiment là. Ouais. Ah, permettez, doucement, doucement. Hein. Non, mais t'inquiète, laisse-moi faire mon petit créneau. Aïe. C'est un rangement bataille, ça. Bon, bah, j'arrive parce que j'ai. Ouais, pas bah, pu dans... tais-toi. J'ai pas pu entrer dans la station hein service. Ah. Con, mais qui est tombé par terre en sortant. T'es aussi Katox. T'es tombé faux par créneau. Terre en sortant. T'as tellement beau créneau, il a fait. Oh, le créneau. Oh. Eh, même mon personnage, il l'a fait. Il s'est évanoui en sortant. Oh, c'était tellement beau. Meurs, saloperie. Pourriture communiste, on dit. Ah, mais y'en a plein qui arrivent. Scandale. Ouais. Vous avez entendu la voiture, je pense. D'ailleurs, on laisse tourner le moteur, mais est-ce que c'est si bien que ça? Parce qu'ils l'entendent quand même. Moi, je pense qu'ils l'entendent, ouais. Ah oui, ils l'entendent, hein. Y'a une carte, là. Ouais, vas-y, prends si tu veux. Un Talkie Walkie Toys, on s'en fout. Bah, bon. Est-ce que les bagnoles, y'a quelque chose, là? Sont vertes ou fermées? Ouais, bon bah moi j'essaye vraiment de trouver une deuxième voiture pour qu'on puisse partir avec plus d'affaires. Oh joli, je pense que c'est toi. Ouais, c'est efficace l'appel. Ouais, j'avais un couteau mais il est mort à la première utilisation, donc je n'ai plus qu'un petit marteau, mais on devrait trouver notre bonheur par là. Oula. Des règles, c'est téléporté le bout du monde. Pas du tout. Est-ce qu'on peut ouvrir ces trucs? Non, hein. Ça c'est fermé là. Ouais, je peux même pas essayer de forcer. Alors il y a des portes là-bas. Il y a une porte normalement sur le côté nord. Voir des échelles, voir des fenêtres, pardon. Ouais, fenêtres et portes. Fenêtre, ça passe. Alors t'as tué les zombies qui arrivent, ça t'embête pas? Oh, tout de suite quoi. Mais ils se retrouvent envoyés à l'autre bout du monde quoi. Ouais, il y a des petits lags. Hein. Tiens. Tiens. Moi j'ai pas de lag du tout hein. Bah nous c'est sur les zombies en fait, on les frappe et ils se téléportent genre 10 mètres plus loin quoi. Ah ça va, c'est correct. Alors disons que s'ils se téléportaient tout près, ça serait plus chiant quoi. On a trouvé une fenêtre Katox. Ouais. Je suis déjà à l'intérieur. Oh l'autre. Ah d'accord. Salaud. Salut. Ah par contre ça va être dur de prendre. Enfin, j'ai pas mis tout ce que j'avais dans le coffre par contre. J'ai un sac à dos, je le dépose ici. Je prends. Ah ouais, si vous en trouvez un autre, pourquoi je dis pas non. Il veut pas me l'afficher ce con. Prendre. Sac à dos. Oui, bah je veux prendre le sac à dos. Ah, faut sac à dos, sac okay. À dos. Sac à dos, sac à dos. Très très bien. Alors ça. Ça, ça en garde. Et ça va. Ah, une masse, c'est bien ça. Ouais, vous en trouvez une aussi. Ouais, bah vraiment deux masses. C'est dingue la chance que vous avez. Des fois, il faut faire deux villes pour trouver une masse. Un pied de biche. Oh, un fusil à pompe. Très utile le pied de biche. La clé à molette, ça peut te servir? J'ai des munitions, si tu veux, pour le fusil à pompe. Non, je vais pas, je l'ai même pas pris, tu sais. Oh, franchement, t'es pas joueur, quoi. Plus tard. J'ai trouvé deux marteaux. Voilà, il a une lampe torche, c'est pas mal, ça. Ok, parfait. Les sachets de graines, on les laisse peut-être pour l'instant, hein. C'est pas une priorité. Bon, par contre, je suis un peu plein là. Faut dire ce qu'il y a. Si je trouve un sac, je te dis. Il a encore bu au travail. Oh, bravo. Encore une masse. Non, c'est la vache. Des masses, eh. Trois masses. On sera pas à la masse, moi. J'allais la faire et je sais que non, mais c'est pas vrai. Tu t'es retenu, ouais, tu t'es dit tiens. Ah, j'ai vu passer une voiture dehors.
Bah écoute, je l'assume. Hein. Ah ouais, effectivement, une voiture rouge qui est passée. Ah bah tiens, c'est bien ça. Ou c'est Slan, c'est ça la question. Ah lui aussi, il est tombé en sortant. Ah, t'as verrouillé le coffre. On est sur un serveur belge, hein, donc il faut bien rigoler un peu. Quand on sort, on tombe des voitures. C'est rigolo, hein, un petit peu, on s'amuse un petit peu sur le serveur. Hein. C'est rigolo une fois. Ouais, on se marre bien. Hein. Oh la vache. On a de l'humour en Belgique. Hein. On a le droit de rigoler parce qu'on a un vrai belge sur le serveur. Hein. Sinon, On a le droit de rigoler parce que je connais un belge. J'ai un pote belge en fait. J'ai un pote belge, il héberge des serveurs Project Zomboid. Ouais. Par contre, je suis un peu dans la merde parce que je suis plein à craquer, donc je suis très très lourd. Non, merci Stan. Il y a des zombies qui commencent à rentrer, attention. Ah. Ouais, moi j'ai pas d'armes, je peux rien faire là. Si quelqu'un ne serait-ce qu'un marteau ou une bêtise. T'es où? Alors, t'es moi t'es dedans, j'ai un marteau, mais je peux suis dehors en train de. Ah, mais t'es dehors? Merde. Ouais. Ah! Je suis en train de nettoyer ce qu'embête Damned. On a. Vous êtes dehors tous les deux? Bah attends, moi j'essaye de mettre les trucs dans le coffre, mais tous les coffres sont verrouillés alors. J'arrive. Faut quoi, on a combien de voitures? Bah deux normalement. Ok, la tienne, mais moi c'est plus verrouillé hein. Vous êtes sur le parking? Bah ouais. Ah, je vous vois. Si on est en t'as de quoi faire hein. Normalement, t'as quelques marteaux qui traînent. Je te pose, tu veux quoi, un marteau, une masse? Marteau, c'est bien. Je te pose un marteau sur le sol. Merci. Alors toi, tu vas attendre que tu t'éloignes de la voiture. Voilà. Hop. Mais je suis encore tombé en sortant de la bagnole. Je la haine. Les mecs, ils tiennent pas sur leurs jambes, quoi. Qui est-ce qui a le bouquin de mécanique, s'il vous plaît? Moi, c'est j'ai pas le bouquin de mécanique, moi, si tu veux. Ouais, faut que je le lise maintenant. Tu veux le lire tout de suite? Bah ça me permettrait éventuellement de partir avec une troisième bagnole, ouais. Alors attends, ah non, c'est le travail des métaux que j'ai, pardon, sans je vérifie. Ah bah bravo, ah bah bravo, ah bah bravo. Non, j'ai bien utilisé un générateur aussi. J'ai la recherche, l'électricité pour les nuls, j'ai les premiers secours pour les nuls. Alors les premiers secours, j'ai nul, expert, intermédiaire, j'ai les trois. Hein. Alors, fil à coudre, il faut prendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pris des aiguilles, moi. Arrosoir, je sais pas si vous en avez pris beaucoup. Arrosoir. Pas particulièrement, je dois bien avouer. Celui qui s'occupera de l'agriculture, il faut qu'il en ait un, des plantoirs. Il y en a un dedans. Je l'ai pas pris, mais j'en ai croisé un. J'ai pris deux des plantoirs, un arrosoir. Ouais, bah voilà. Parfait. Et mais. C'est quoi ce serveur où on glisse tout seul, quoi? Et ça me fait des blessures, n'empêche, à chaque fois. Hein. Sérieux? Ouais. T'es vrai, c'est Ouais, j'ai blessure anecdotique et j'ai perdu de la vie. Hein. Bah oui. Ah bah bravo. Je comprends pas. Ah, je sais pas trop pourquoi, mais c'est un peu chiant quand même. Bah, dans le mode pas dégourdi quoi. Bref, dans le mode belge. Fusil à pompe et des munitions. Bon, d'accord, ok, je le prends pas. Alors, je tiens quand même à dire qu'il paraît qu'on accuse Damned de tout. Ah bon, voilà, faut arrêter de remettre la faute sur Damned toujours. C'est faux ça, il a survécu en plus la dernière fois. Bah attends, si on met toujours la faute sur Damned, c'est parce que Damned s'est plaint qu'on met toujours la faute sur lui. Oui, et puis en plus, il faudrait peut-être aussi que Damned arrête un petit peu que ce soit toujours de sa faute. Voilà. Mais j'ai rien fait, moi j'ai rien dit. Ah bah voilà, et en plus il se plaint, et en plus allez, il se plaint. Allez, ça continue. Ah bah voilà, et ça continue. Mais j'ai rien compris moi. je suis tout gentil, laissez-moi tout seul. Mais oui. Moi j'ai vu de la lumière, je suis rentré. J'ai pas compris plus que ça. Bon bah moi j'ai ce qu'il me faut. Il me faut absolument mon livre de mécanique hein. Bah du écoute coup, on va faire un tour dans des maisons et puis on trouvera des bouquins. Bah non, il y a une petite bibliothèque au sud si vous voulez qu'on y aille. Ah bah pourquoi pas, je te suis, j'ai un sac pour stocker des bouquins si besoin. Ouais oui. Je vais juste aller foutre des trucs dans ton coffre. Si on va à la bibliothèque c'est pas pour Mais il est fermé son coffre. Non hein, mon coffre il est ouvert. Non il est fermé. C'est nul. Qu'est-ce qu'a fait ça? J'ai bien chargé le coffre de l'autre bagnole en tout cas. Mais est-ce que j'ai laissé le véhicule... C'est possible que j'ai laissé le véhicule verrouillage des portières. Recule pas, je suis derrière toi. Oui, alors maintenant on fait des dégâts avec la voiture. Hein. Je tenais à dire d'ailleurs la preuve. Hein. On tombe à chaque fois qu'on sort de voiture. Et là le coffre il doit être ouvert. Bah écoute, je réessaye. Ah oui, ça y est, il est ouvert. Il y a un pneu dedans. Youpi. Merde, putain, mais pourquoi j'ai des bruits de zombies là? Y'a personne autour, c'est quoi ce bordel?
suffit un peu les conneries. Non, mais c'est... Oui, bah tout transférer, allons-y. Hein. Hop là, voilà. Juste garder un marteau. Okay, Est-ce qu'on va à la bibliothèque après? Moi je te suis à la bibliothèque, écoute. C'est parti. C'est quoi qui est par terre? Bah alors par contre... ouais, ah mais chose. Putain, mais ça a posé par terre. Bordel, j'ai du mal encore avec cette interface là. Ça a posé par terre. Je veux mettre dans le coffre, voilà. Tout transférer dans le coffre, c'est quand même pas compliqué. Te barre pas. Pourquoi t'avances? Non. Ah, on a une 3... On a encore trouvé une masse. Tu sais où elle est, Katox, la bibliothèque, si ils partent devant? Bah elle est au sud de la bibliothèque. Ouais, elle est au sud, oui. Parce qu'à la limite, je t'attends, quoi. Moi, je suis juste en train de récupérer Saw et Rosa, parce que j'en ai plusieurs. Et hop, c'est bon, je suis là. Quand tu veux, Slan. Il va. Dans les zombies qui étaient en dessous qui se relèvent. Ah, mais ça doit être pour ça que ça gueulait, en fait. Doucement. Ah, les zombies que t'entendais, ils étaient en dessous. Aïe. Oh là là, mais tu veux que je prenne le volant ou bien? Non, mais ça va là, c'était juste il y avait un virage. Je vais conduire, mais je sais pas prendre les virages. J'ai appris écoute, accélération. Fait, c'est quand il y a une droite, tu conduis, et quand il y a un virage, tu me laisses le volant, d'accord? Bon, on fait ça. D'amener des gommes zonzon à la masse. Ouais, c'est marrant. Hein. C'est marrant c'est à pas, faire. C'est pas là. Attention, il y en a un qui est au sol là. Ouais. On peut y aller si tu veux. Tous ces zombies morts, t'inquiète. C'est bien triste. Le Spifo. Le Spifo. Ah merde, le temps. Attends, c'est bon. Non mais je les ai déverrouillés là. Ah ouais, bah... Est-ce que je pourrais pas réparer ma masse, ma pelle pendant que j'y suis là? C'est quoi ce bordel là? Du Chatterton et de la attends, super vas-y. Vue probablement. Ok, attends. Ouais, j'ai même pas l'option réparer en fait. Ah mais attends, faut peut-être que je mette le marteau dans mon inventaire. Donc par là, hein. Non. Ouais, c'est au sud, hein. Le... J'aurais pris par la grande route, mais oui. Ouais, moi aussi, j'aurais dû prendre par là aussi, ouais. Parce que tu dis. C'est... Ouais, comme tu dis, ouais. À peu près, hein. Tout bah pareil, donc fais là. Ouais. À gauche? J'aurais mis à droite, non, mais bon. C'est pas là encore. Non, c'est pas là. T'inquiète, on peut toujours rattraper. Et puis de toute façon, personne nous voit, hein, y'a personne qui filme là, donc. Ah ouais! Tout ce que tu diras sera retenu contre toi! La vache, cette masse là! Y'a une clé! Alors, on y arrive ou pas? Y'avait une clé par terre! Y'avait une clé de voiture! Voilà, on y arrive. C'est l'école ça? Non, c'est ici. C'est l'avant-dernière. Oh shit! Voilà! Ouais, y'avait du monde! Hein. Ouais, ça, y'a du peuple là! C'est un peu relou. Oh mais moi je tombe pas quand je sors des voitures, c'est bizarre ça. Comment ça se fait? On est passé devant le Spifo. Ouais. On va regarder si c'est. On suit les zombies en fait, morts quoi, sur la route et les traînées de sang. Ouais. De toute façon, on a laissé la voiture au milieu de la route pour être sûr que vous la retrouviez. Pour être sûr okay. Que vous rentriez dedans. Ouais. C'est bon, c'était ouvert derrière. C'était ouvert. Personne peut regarder comment je pilote bien et j'esquive, c'est triste. Hein. Sur ma parole, je dis qu'il fait ça bien. Y'a des bouquins hein, sur les sièges arrière si tu veux te faire plaisir en attendant. Ah ouais, y a plein de trucs okay. Là. Travail du métal. Je sais pas si quelque chose magazine. T'intéresse, hein, mais. Menuiserie pour les nuls, c'est pas mal ça. La cuisine pour les nuls, bon, ça me sert à rien. Peut-être qu'il y a rien, hein, je sais pas. Hein. C'est quoi ça, c'est la mécanique que tu cherches? Prendre les secours pour les ouais, nuls. Et puis tous les livres de recettes aussi, travail du menu. Du main, ah bah elle est là. Travail du métal. La mécanique là. Niveau maître. Allez, let's go. Ouais, c'est pas pour tout de suite ça. Eh, mais je tombe encore en sortant, c'est relou ça. C'est dur, ah, moi pas. Là, j'ai ma mécanique pour les nuls, ça y est. Ah, ils viennent de rentrer là. Ouais, et puis moi j'ai encore une petite blessure et j'ai encore perdu de la vie. Hein. Je ferai un bisou magique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La mécanique, vous l'avez trouvé la mécanique pour les nuls ou pas? Ouais, j'ai ce qu'il me faut moi. Prenez vos livres, prenez ce que vous avez besoin pour vous. Il y a cuisine conviviale là. Ah, Damnette, prends tout ce que t'as besoin. Ouais, je prends tout ce que j'ai besoin.
Moi je vais en prendre plein, hein, et puis après... De toute façon, t'arrives pas à lire les titres, donc j'imagine on fera le titre. Ouais, voilà, ouais. Moi, j'ai pris des blocs de papier, après vous démerdez avec. Hein. Je perds Damned. C'est un peu ça. On va pas comprendre, moi. Vous me laisserez les images. Ingénierie et invention. Et Katox d'or, il est en train de tuer les tous les zombies, quoi. Ouais, je fais toujours des cercles, parce que... J'arrive c'est pas à les tuer, là. Ouais, c'est un peu chaud, là, non? L'agriculture peu, ouais. Pour les nuls, ça peut être utile aussi, ça. Ça va. J'ai pas l'intention d'en faire. Des petits tours, toujours des petits tours. Bon, bah voilà. C'est ce qu'on voulait, les gars. Moi, j'ai pris tout ce que j'avais besoin, a priori. Ah non, peut-être les éloigner un peu de la bagnole, ça te dit? Ouais, voilà, vache, c'est quoi cette horde, là? On va attirer d'autres. Bah par là, ça va, y'a pas trop de monde. Maman. Bah, on est pas mal, hein, au niveau livre, quand même, on a déjà de quoi démarrer. Ouais, on est dans le niveau. Bon, ça vaut pas la bibliothèque de West Point, mais... On est mais qu'est-ce qu'il fait là, zombies, là? Bah il essaye de virer les zombies, mais il galère. D'accord, je comprends. Strike. Ouais, carrément. Attends-moi. Poussez-vous. Waouh. Oh, mais Katox. Bah oui, mais poussez-vous, mais dis un sens, merde. Et on va encore dire que c'est moi qui conduis mal. Non, mais c'est bon, je suis mort maintenant, bravo, merci. Non, c'est vrai. Bah oui. Bah oui, il est au sol en train de se faire tabasser par les zombies. Tu m'as roulé dessus. Tu t'es barré sans moi. Arrête-toi. Oh. Quel bourrin. Recule pas. Ah putain. Là faut que j'y aille, hein. Et tu sais quoi, Slan? J'avais un couteau de chasse. Non. Faut que je vienne de le trouver. Le Sync, tu vas crever. Fonce. Viens, fonce. Là. C'est bon. Démarre. Prends le volant. Il avait un couteau de chasse. Ah putain. Le mec, il va jamais s'arrêter. Tiens. Étant donné que je suis zombifié et que je vois un peu tout ce qui se passe autour, je vous conseille pas de revenir. T'es mort, Slan, je crois. Bah là, je sais pas, ça bouge plus. Ouais, non, il y a des bugs, hein. Il y a des gros bugs, hein. Ah ouais, j'avoue, j'ai pris le volant. Mais pourquoi j'ai tué Katox? C'est mon préféré en plus. Ça, c'est pour faire du spectacle, tout ça encore. Ouais, ça. Oh là là, je suis vraiment désolé, Katox. Surtout pour ton couteau de chasse. La sincérité, je sais pas pourquoi, ça transpire. Il est là, le couteau de chasse, j'essaye de le ramasser. Non, j'essaie de les empêcher de trop s'approcher, mais c'est tendu. Tension. Oh, t'inquiète pas, je t'ai vu, va. Ah, c'est chaud d'avancer là, y'a trop de zombies. Derrière toi, Slan. Ouais, je sais, il est là depuis tout à l'heure. Attends, je lui roule dessus. Voilà, il est plus là, c'est bon. Tu l'as le couteau? Ouais, bah oui. On peut se barrer maintenant? S'il vous plaît? Tu peux avancer un peu. Ouais, on va y aller, de toute façon, on va faire une petite pause après. Vas-y, monte. Bon, il faudra couper au montage le moment où je roule sur Katax, hein, parce que là, c'est plus possible, hein, c'est trop la honte. Que dalle. Moi je couperai au montage, moi. Je le dois à mes viewers. Et tu veux préciser, genre écartez-vous, oui. Par où? À droite, à gauche, en haut, en bas, au nord, au sud. Ouais, j'avoue que t'as été un peu bourrin quand même sur ce coup-là. Ouais, mais j'ai sauvé la vie aux deux autres. Je sais pas où t'es parti, hein, du coup je roule, moi. Non, pas sûr. Je suis au nord, mais comme je connais pas trop la route, je vais me décaler dans l'autre voie et je te laisse passer devant, comme ça cela me guidera. Je peux tracer. Est-ce que je pourrais préciser que Katox va pas tarder à se réincarner dans quelqu'un d'autre et qu'il faudrait peut-être qu'on aille le chercher au cas où ça paraisse abusé? Tu roules surtout pas dans la file dans les deux files de gauche, hein. Tu roules dans les deux files de droite, hein. Ok, je roule dans les deux files de droite. Ouais, c'est bon, je t'ai vu. Et de toute façon, il faut qu'on arrête ce premier épisode là. Comme ça on aura réussi à faire un fail par épisode, c'est nickel. Et puis ça s'est plutôt bien passé. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc du coup j'espère que cet épisode vous aura plu comme la saison 1, ça se présage super bien je trouve moi. Je pense qu'on va roxer cette nouvelle saison. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à aller voir le point de vue de Slan. Et puis on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. A plus. Salut. Merde.